Et nous sommes repartis de retour. Je suis pas exactement prêt, mais tout va bien. Nous allons repartir en guerre. J'aurais bien voulu qu'il y ait peut-être de la customisation pour les armures. À la limite, les armures légendaires. La customisation des armures légendaires. Ce serait sympa. Je demande pas énormément, mais genre peut-être des variantes, genre par exemple le casque sans la houppette. Un peu comme Elden Ring. Ce qui est marrant, hein, c'est que Elden Ring était le premier. Enfin, des Souls, on va dire, hein, dans les Dark Souls, tout ça, machin. Je crois bien. Oui, quasiment sûr. D'avoir des variantes, en fait, pour toutes les armures et tout ça, et ça réduisait, genre, le poids de l'armure, mais ça aussi, ça baissait un peu les stats la plupart du temps. Genre, il y avait une armure avec une cape, ça enlevait la cape, etc. C'était vraiment cool. C'est des petites choses comme ça, c'est sympa. Des fois, on avait une armure qui avait un certain look et ça changeait vraiment bien le look en fait de faire ça. Notre prime commence à baisser. Faut faire un peu plus de grabuge. On va faire cet endroit, on va continuer cet endroit. Mais ouais, j'aurais bien voulu. Il y a plein de trucs qu'on aurait pu rajouter dans le jeu. Encore une fois. Hein. Encore une fois. Ou le Therion de Thèbes. Alors, fais voir un peu. Ça, c'est un forgeron, non? Ouais, un forgeron. Genre un mec qui manie une épée comme ça, c'est un forgeron. Let's go. La garde sera vigilante ici. Ouais, pas vigilante, ouais. Ils vont pas regarder sur les toits, t'inquiète, t'inquiète. Qu'est-ce qu'on fait? On y va bourrin ou on... Ah non, ils sont en dessous du toit. Ok, ça marche. J'ai pas vu de passage. Oh! Il y a des fenêtres. Ça, c'est cool, ça. Genre ce... Ah merde. Ce système, il y a un mec juste là. Ce système, on peut regarder comme ça, c'est vachement bien. J'aimerais bien qu'il l'ait un peu plus utilisé en fait. Tiens. Je vais t'enterrer. On est très discret. Très discret, très discret. Parfait. Vous croyez qu'il va être content, Périclès? Parce que... Ah mais non, mais attends, on est... Non, non, j'ai rien dit. Ouais, je me disais aussi. Non, non, on n'est plus sur le pouvoir de Périclès, là. On est sur le pouvoir du dirigeant non découvert. Voilà. Merde, du coup, on a fini. Je faisais pas attention. Tu es le capitaine. Mais on n'a pas vu de capitaine. Ah, bah voilà. Oh! Attends, tu fais un peu chier. On voudrait t'enrôler. Ouais, on voudrait t'enrôler. Veux-tu rejoindre mon navire? Ok, ça suffit. Aujourd'hui, tu gagnes ta liberté. Voilà. Viens naviguer avec mon équipage.
Moi, si on me recrutait comme ça, t'inquiète que... Et je travaille bien après, hein, la vache. Alors, création de points faibles, dégâts des premiers. T'inquiète que là, ça te fait reconsidérer. Des fois, tu te lèves le matin, t'as pas envie de bosser. Bah putain, t'inquiète que là, t'as envie de bosser. Hein. Ouais, la probabilité. Enfin, les dégâts spartiates, ouais, à la limite. Mais... Enfin, ça fait beaucoup de changements pour peu. En fait. Membre du culte, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ermite, j'avais pas regardé. Okay. J'avais pas regardé ermite. Oh là là. Toi aussi, tu viens pour te faire recruter? Ah merde, un putain de truc. Mais ta mère. Bon, apparemment, il aimait pas trop. Il aimait pas trop son chat, là. Ah, mais il est pas mort. J'ai plus les 3 adrénalines. J'ai cru que j'avais toujours les 3 adrénalines. C'est vrai qu'il y a 2. Il y a 2. Il y a 2. Il y a 2 coups avec leur enchaînement de coups de poing là. Chaque fois j'oublie. Très bien. Il est où le chat? Ouais, il est parti. Il est parti le chat. Oh là là. On a un là qui campe. On va voir ce que c'est. Il faut quoi être à 150 mètres à peu près? Ouais, 150 mètres. Attends, du coup on a toujours pas fini, tu te fous de moi? Tu es le capitaine. Bah. On l'a pas fait? C'est pas le mec qu'on a recruté? Pas cette merde. L'endroit est forcément... Ah oui, non, c'est parce que parce qu'on l'a fait, mais on était à l'extérieur de l'endroit, c'est pour ça. Faut à chaque fois revenir sur les endroits pour que ça se déclenche. Ok, très bien. Très bien, très bien. On s'en tape. Ah, il y a cet endroit là. Marche. On va regarder d'abord le forgeron, on va un peu regarder le prix en fait pour augmenter nos armes et tout ça. On avait aussi, enfin la dernière fois on avait parlé aussi d'un cheminement de quête, enfin de quête personnelle surtout, pour aller récupérer genre l'équipement de, enfin un d'équipement je sais plus quoi en or, et pour récupérer un arc qui tire des flèches de feu. Alors, 50% sur les achats, sur les gravures et sur les améliorations. Ça fait vraiment plus les améliorations maintenant. Ah ouais, c'est plus la même. Hein. C'est quand même mieux. C'est quand même bien mieux. Ouais, maintenant on peut... Enfin, on va genre 34 assez bas. Ouais, non, c'est peu hein, d'équipement. Enfin, de ressources, je veux dire. C'est peu de ressources, hein. Maintenant, donc on peut ressortir les trucs en or et les remettre à jour. Honnêtement, on peut faire ça.
C'est ce qui m'emmerde, c'est que j'ai pas vraiment envie d'utiliser ça, quoi. Enfin, c'est vrai que, comme j'ai dit, hein, le poison, c'est bof. Hein. Enfin, bref. Je me demande si ça vaut le coup d'acheter les ressources comme ça et après de vendre l'équipement. Ou de démanteler l'équipement au lieu de le vendre. Vous voyez ce que je veux dire? Bâton 39, masse. Cela c'est quoi là? C'est 500 pièces. Si je fais ça, ça fait quoi? Ouais, il y a des obsidiennes et des pierres précieuses. Là, il y a quoi? Ouais, il y a des pierres précieuses et des obsidiennes qu'on va gagner en fait. Je sais pas trop, honnêtement. Ça dépend un peu de ce qu'on a besoin, je dirais. Mais ouais, il faut au moins du violet. Ah, quoi que non, même. Du bleu, ça donne des pierres précieuses? Le bleu, ça donne des pierres précieuses. Ah, des obsidiennes aussi, d'accord. C'est bien ça ou pas? Massue lourde. On va peut-être le garder, l'équipement 40. Nous on a quoi? Probabilité de critique en pleine santé. Très bien, très bien. Tu fais autre chose, dis-le-moi. Ça marche, merci. Putain, t'es qui toi? Mec, il nous cherche encore. On va d'abord s'occuper de lui. Je me demande si l'autre mercenaire va nous rechercher du coup, si on commence à le combattre lui. Quelqu'un veut ta mort, une fois de plus. Ouais, je sais, il est juste devant. La mort vient te chercher. Ta tête trop son poids en drac. Bon bah du coup, oui. La réponse est oui. Bah je crois que je l'ai touché en fait, parce qu'elle était à côté. J'en sais rien en fait. Wow, 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 doucement. Ouais, deux à la fois, ça fait mal. Ça va? Comme Batman, tchou. Merde, je crois qu'on est recherché par les soldats aussi. Ça, c'est juste un soldat, ça. Allez! Pourquoi je peux plus sauter sur les gens quand ils sont comme ça là? Ou c'est moi qui suis un peu trop loin?
Il a tué le mec. Toi aussi, tu devrais être recherché, gros. Je vois rien du tout. Allez, dégâts s'il te plaît quoi. Dangereux ce que j'ai fait. On avance. Ouh, hache à pointe. Ouh, du bleu, on s'en fout. Très bien. Navire. Ça marche. Alors, fais voir, fais-moi rêver. Alors, on a du 38, c'est un peu moins de dégâts. Ouh, 69, nice. Alors, dégâts assassins, dégâts de feu, dégâts de poison. Ouais, non, guerrier. Hein. Ouais, guerrier, ça c'est sympa. Dégâts de massue lourde en plus. Ouais, on perd 805. Peut-être que quand on repassera sur un build de feu à la limite. Mais bon, d'ici là, on aura sûrement mieux. Bien. Très bien. Merde, y'a un mec juste là. J'ai tué l'autre ou pas? Non, je t'ai pas tué. Ça va, c'est très très silencieux ce qu'on vient de faire. Bien de famille. Ça devrait ralentir la progression des Athéniens. Comment on atteint le truc? Ah. Merde, non. Faut que je sorte. Qu'est-ce qu'on fait? On en profite? Cool. Alors on va aller... Ah là. Ah nickel. Bien de famille, objet de quête. On a gagné, on a fini. On n'a pas fini? Ah, oh, au-dessus, oui, au-dessus, au-dessus. Voilà, très bien. Suivant. On a le dirigeant. C'est quoi le dirigeant? En Eretmos, le processif.
traitement de processus. Qu'est-ce qu'on fait? On le prend pour le bateau ou pas? Non. Ça sert à rien. Parce qu'après on est limité dans les gens qu'on récupère, mais... Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de récupérer les gens? Genre à un moment on a... En mercenaire, en navire, on avait des mecs comme ça. Je crois que lui c'était le premier qu'on récupérait. Genre Dimnos. Après il y avait aussi lui, mais lui il était en or. Ça c'est un mec de quête. On peut le prendre, ça c'est notre copine. Ça c'est un mec de quête aussi. FN aussi. Elle aussi. Je sais pas, on peut le prendre pour le fun. Merde. Je remonte. Ah là là. Étoile de mer. Le truc c'est que je suis en... Ah il protège le soldat, le chef. Vas-y viens. Une face en gloire, voilà ce que tu auras. C'est pas le moment. Tu viens de faire une terrible erreur. Ah, tu rends ça trop facile. Ah, une trace. Elle est juste là. J'ai vu des chèvres qui se battaient mieux que toi. Il va me faire chier là. La... Aou! La putain de toi! Merde, je peux pas... Indice découvert, yes! Yes! On a trouvé un indice d'un cosmos. Qu'est-ce qu'il y a? Tu dois payer ton assurance, c'est ça? Ton assurance vie? T'inquiète pas, tu vois, ça va pas te coûter très cher. Je suis là pour la prime sur ta tête. Sans déconner. Merde. C'était quoi cette merde? Oh la vache, j'ai pas sauvegardé depuis qu'on a commencé.
Oh, ça va, ça va sauvegarder là. Putain. Prends ton destin entre tes mains et viens naviguer à bord de mon navire. Quelle merde, quoi. Cet enchaînement. Je me suis pris un coup et le deuxième, ça m'a tué, quoi. Mais elle faisait méga mal, c'est ouf. Ah, je suis déçu, là. Je suis déçu parce que on aurait pu facilement la tuer. Je crois que c'est elle. Non, l'arracheur dieu. Non, c'est pas lui. Ah là là. Ah, ça me dégoûte des combats comme ça, là. C'est chier. Je dois rester caché. Genre, elle est même pas là, donc c'est comme si, genre, elle a gagné, elle est partie récupérer la prime, quoi. Oh putain, je suis dégoûté. T'inquiète pas que quand on va avoir un vrai build et tout... Ça va pas être la même, hein. Myrto, il est bon pour la pêche. Myrto, il est bon pour la pêche. Putain, ça me dégoûte. Putain de combat de merde, quoi. Ah, du coup, est-ce qu'on a toujours... Ok, on a les bijoux, les biens de famille. Et on a un indice sur le membre du culte. Ok, ça marche. Cool. Deyenera est une championne béotienne. Une moitié n'est rien sans l'autre. Cosmos, wow, est mon absolu. Je n'ai rien à perdre. Cool. Ah non, si c'est elle. Si c'est elle, c'est elle. Putain de merde. Honnêtement, je... Ouais, j'ai envie de te dire, toi, tu... J'ai envie de te tuer dans un sens parce que t'es une saloperie, mais... Mais tu mérites la place dans mon équipage, quoi. C'est tout ce que tu sais faire? Ah, c'est presque fini, mission. Va voir un certain Barnabas sur le navire. T'attendra. Très bien. J'ai l'impression que les flèches qui sont censées... merde, je vais trouver le mot. Attends, qu'est-ce que... Ah oui, la plaque. Étourdir, incapacité, là. Elles font extrêmement mal comparé aux flèches normales. Je voudrais bien avoir des flèches améliorées, là. Ça n'existe pas. Enfin, je suis sûr que ça existe, mais il faut les découvrir. Alors, 38, c'est moins bien, mais assassin, poison, chasseur. Ouais, non. Qu'est-ce qui se passe? Non, on est bon. Alors, maintenant. Alors, on a notre copain là-bas. C'est quoi ça, là-bas? Dans cette direction, il y a quoi? Ah ouais, mais c'est loin. Ça doit être là. Ou alors c'est ça que j'ai
Non. Ah non, 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 c'est dans cette direction. Alors, on avait dit que nous, on voulait potentiellement faire ça. Ah bah, du coup, on a trouvé Daenera. Et après, on voulait faire ça. Et après, peut-être passer par là et aller sur Elys. Pour tuer lui. Bah, dans un sens, je dis pourquoi pas. Parce qu'on a Daenera qui est pas loin. Donc, ouais. Allez, let's go. On part pour notre aventure. Ça va nous, peut-être nous faire deux épisodes, un truc comme ça. Mais ça va être chaud à un moment ou à un autre. Hein. Parce qu'on arrive dans une zone qui est pas de notre niveau, qui est un peu plus haut. Il ne faudrait pas qu'on me surprenne ici. Donc on verra ça. On va aller plus vite comme ça. C'était gratuit, j'avoue. J'avoue que c'était gratuit, ça. J'avoue. C'est moche. C'est un peu moche. Je le reconnais. Même moi, je le reconnais. Hein ? Un peu moche. Tombeau de Menoek. Caisse. Ah, c'est un tombeau. Oh la vache. J'avais pas fait gaffe. Oh la vache, le machin comme il bouge. Oh, fragment de médaillon du sphinx, objet de quête. Ça marche. Dès que ça ressemble à un truc à faire péter... On va tirer des flèches. Oh, c'est quoi ça? Vous êtes gentil? Qu'on peut se casser. Je crois qu'on peut se casser. Ah putain, à chaque fois je me fais avoir. Alors du coup on veut jouer pour les Spartiates ici. Je crois. Ouais. Par contre, mon... Qu'est-ce qu'il a, le chien? Par contre, notre équipement est un peu bas, je trouve, non? Enfin, je pense que ça passe quand même, mais on commence à être un peu limite. Je sais pas. Après, nos armes, ça va. Nos armes, c'est 30. On est 39. On est à peine 39. Il n'y a que les dagues qui commencent à être un peu... Ah, un peu légères, en fait.
On n'a pas trouvé de très très bonne genre épée. Donc ouais non, ça va aller. Est-ce qu'on a de l'équipement anti anti-athénien? Non. Hein. Ah, regarde. Porteuse d'aigle, tu viens prendre part à notre victoire prochaine? Je te trouve bien confiant avant la bataille. Qu'est-ce qui te rend si sûr de ta victoire? Après de nombreux accrochages, nous avons réussi à coincer ces chiens d'Athéniens. Avec ton aide, nous pouvons les renvoyer chez eux la queue basse. Qu'est-ce que tu en dis? Moi, j'aurais pensé aussi que ce système-là, on puisse l'utiliser pour prendre des grandes villes, genre Athènes. Genre Athènes passerait aux mains des Spartiates. Ce serait intéressant, ça. Sparte peut compter sur mon épée et ma force. Après, ça ferait chier par rapport à l'histoire, mais genre si on, si on finit le jeu, peut-être qu'on, qu'on peut faire ça. Genre qu'il y a un... Ça continue, quoi. Envoyons les Athéniens chez Hadès ! Oh la vache. Ouais, on fait beaucoup de dégâts, ça va. Ouais, il faut que je fasse des AOE, ça sert à rien ce que je fais. Ouais, non, par contre, là, je fais de la merde. Putain, je me prends que des mecs au bouclier, je suis con, moi. J'espère que ça a touché celui-là d'en face, là. Ouais, non. Eh, hey, classe! Putain, t'es classe, toi! C'est con, ça, c'est un joli bouclier. La question c'est, est-ce qu'on peut recruter sur le champ de bataille? Est-ce que l'amour peut fleurir sur le champ de bataille? Oh merde! Putain, ça m'a touché quand même, quoi, débile! Oh, non! Oh, cet enchaînement de merde! Oh putain, mais je fais de la merde! Qu'est-ce qui me... Ça fait deux fois. Normalement, je crève jamais deux fois en vidéo. C'est ouf.
Oh là là. J'ai l'impression que c'est ces dagues. Hein. J'aime pas les dagues. Moi, il me faut les épées. Hein. Au moins les épées pour les trucs rapides. Au moins des épées. C'est les dagues, j'ai dit. Porteuse d'aigle. Après de nous. Mon épée sera avec toi. Aïe, 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 aïe. Un mauvais jour pour Athènes. Un jour glorieux pour Sparte. D'accord, putain de... Portée de ta mère. On peut se pousser quand je combats, s'il vous plaît. Parti. Il est stylé, j'adore son armure, son épée et son bouclier. Il va me tuer encore, c'est trop bien. Mais qu'est-ce que... Il a des putains d'enchaînements de ouf, quoi. Faut que je m'éloigne du groupe, je fais de la merde. Super. Tour de flèche. C'est bon, on peut être tranquille avec lui là. Ok, très bien. Évidemment, il est trop loin. Oh.
Putain de ta mère quoi. Mercenaire découvert, cool. Je fais de la merde. Allez. Ah, faut que j'arrête avec les dalles, ça commence à me gaver en fait de jouer avec les dalles. Après, on joue bien. Enfin, on fait beaucoup de dégâts. Il m'a gavé. On fait mal en fait, mais on n'a pas vraiment très très bien joué. Ouais, 42 soldats, on tue très vite en fait. Enfin, j'ai envie de dire au final, non, on a bien joué quoi. C'est juste que... J'aurais bien voulu que ça se passe un peu mieux quoi. Enfin, bon, c'est juste que j'ai été déçu en fait de la façon de combattre, genre les... Ah non, les dagues, il faut vraiment que je passe à autre chose. Faudrait qu'on retourne sur notre bateau et que je récupère une épée légendaire, un truc comme ça. On peut reprendre l'épée du loup, hein, honnêtement. On peut reprendre l'épée du loup, tout simplement. Elle est très bien. Bon après, elle a le coup de pied spartiate augmenté de 20%, bon honnêtement... 20% sur un truc qui fait, je crois que niveau 2, c'est 180% de dégâts de guerrier. On s'en fout, ouais, au final, c'est pas vraiment grand chose. Mais bon, c'est vrai que ça fait une habilité spéciale de perdu dans un sens. On y va maintenant. Mais ouais, on a peut-être. Est-ce qu'on a une autre épée qui est en or? Je sais plus si on a une autre épée en or. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? 40, assassin, dégâts de massue lourde. Ah oui, ça c'est les armes lourdes. Ça c'est quoi? Dégâts poids. Putain, mais on a que des trucs lourds. Par contre, putain, vive la défense, c'est bon ça.
Poison, guerrier, massue lourde. Nous on a massue lourde. Ah, c'est joli ça. C'est joli ça. Massue lourde. Nous on a une massue lourde. Ça, c'est des lames lourdes. Notre équipement est bon, notre équipement est très haut niveau. On a un nouvel arc qui est très bien aussi. Et on est 40. Ouais, ça aussi c'est au max. En parlant du coup de pied. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est faire un peu comme le système là, avec genre rang 1 pour le poison, mais vu qu'on a des armes de poison, on l'utilise pas. Mais du coup, ça serait de mettre rang 1 avec ça, avec le feu, et après augmenter la maîtrise du feu. Parce que du coup, on utilise des flèches de feu, quoi. Voilà, et on n'a pas besoin vraiment de brûler nos armes. De mettre feu à nos armes. Avoir des animaux, honnêtement, c'est pas intéressant du tout. Ah, on peut reprendre le coup de pied à la limite. Coup de pied ou charge? Moi, j'aime bien le coup de pied. Ça, c'était pas vraiment intéressant. C'est une petite AOE, quoi. On peut reprendre le coup de pied. Et ce qu'on va faire, c'est ça. On va faire... Hop. Tac. Ça. Et le sort. Voilà. Et on a un tableau avec... La prise du bouclier, et si jamais on combat plus personne avec un bouclier, du coup on a le coup de pied. Vous voyez, on fait comme ça. Comme ça, j'ai pas vraiment. Je descends. Comme ça, j'ai pas le problème de switcher en fait à bout portant. Parce que des fois, pour moi c'est très long. Là, je peux toujours combattre, même si je suis par exemple sur le bouclier alors qu'on n'a pas de bouclier. Je peux quand même combattre. Parce que j'ai les habilités de base. Je suis un peu déçu de l'arc. Honnêtement, je suis très déçu de l'arc. Très très déçu du système de l'arc. Ça m'embête. Ces trois habilités là, j'aimerais bien qu'elles soient vraiment mieux. Alors... Alors, du coup, on peut... Deinera... C'est quoi, ça? Niveau recommandé... Ah, on peut faire ça. Allez. On a un point d'interrogation, là-bas. Un lieu à... Il est où, le Mystios? Il est là. Plus personne ne respecte le travail maintenant. Ouais, c'est pas faux. Un truc aussi que j'aurais rajouté, par exemple... Oh, t'es qui, toi? Attends, est-ce que... Attends, t'as un pantalon 40? Ah ouais, un truc qu'ils auraient rajouté, c'est que par exemple, s'il y a des troupes de Spartiates là qui traversent, ils nous disent, genre pendant une dizaine de minutes, genre quand on croise des troupes de Spartiates, ça nous dit « Ah, bien, bien joué pour le combat contre Athènes », des trucs comme ça, ça aurait été cool aussi.
Ah oui, c'est vrai qu'on peut pas faire ça. Allez. On y va. Non, je peux pas faire, je peux pas sauter dessus. Laissez passer. Je peux faire ça, mais c'est débile quoi. C'est débile qu'on puisse pas sauter sur, sur les chevaux, quoi. Ah, tu crois qu'ils m'aident parce que... Ah non, il tuait juste le... D'accord. Non, ah, il m'aide, hein. Il m'aide. Tu veux pas m'aider toi aussi? Et les Spartiates, je vous ai aidé, maintenant vous m'aidez moi. Toi aussi tu veux te mêler? Oh, il s'en mêle et tout. C'est quoi ce bordel? Merci. Qu'est-ce que vous faites? C'est un bordel monstre. C'est un bordel monstre. Non, pas moi. C'est tout ce que tu sais faire. C'est n'importe quoi ce qui se passe. Mais je souris pas là, c'est un bordel monstre votre merde là. Vous me faites chier. Voilà. Vous me faites bien chier les Spartiates. Hein. Les poissons humains. Vous êtes complètement cons. Vous êtes complètement débile. Alors. 40 dégâts athéniens, probabilité de critique 4%. Très bien. Nickel. Résistance à distance, dégâts sur puissance. Et là on a... Regardez l'armure. Bon ben voilà, on a un très bon pantalon. Merci.
Merci, merci. Alors, j'avais dit qu'on allait... dans cette direction. Mais là, il y a un truc à 200 mètres. Un bouclier par terre. C'était dans cette direction, je crois bien. Ah, quand là ? Ah merde. Mais tu teins de ta mère. C'est ouf ces trucs. Hein. Oh mais c'est ouf ces machins. Incroyable, c'est lourd. Il est où ? Oh, il est là. Incroyable, ces machins. Incroyable. Du coup, c'est pas là le camp. Ah, c'était dans l'eau. Oh, chier. Putain, chaque épisode, on va se taper de l'eau. Ah, j'aime pas ça. Bon, après, il y a une barque. Il y a une barque. Donc, peut-être que. Pourquoi pas. Bon, il doit pas avoir de requins là. À moins que les requins se perdent. Ça m'étonnerait. Là c'est pas la mer là. C'est quoi, c'est une crique comme ça. Du coup. Ruine d'armée. Ouais, non, là, il peut pas avoir de... Non, là, il peut pas avoir de bestioles. C'est pas profond. Il peut pas avoir de requins, ici. Ah, il y a un point, là-bas. Ouais. Il y a cette île qu'on peut faire. Oh là là, à chaque fois, je dévie de ce qu'on doit faire. Mais bon, bah c'est pas mal là. Ça m'embête. Ça m'embête. Ouh, joli. J'arrive pas à le récupérer. Qu'est-ce que ça veut dire quand je peux pas récupérer un truc comme ça ? Clé antique rouillée. Oh, tu vas me dire qu'il était fermé? Mais c'est ouf, c'est ça? Mais putain, mais dis-le-moi le jeu!
Sans déconner, le jeu te le dit pas en fait. Il te faut une clé. Donc j'avais un coffre, j'aurais pu l'ouvrir, mais il me fallait une clé qui était sûrement proche, j'imagine. Mais attends, qu'est-ce qu'on a découvert? Donc, malgré la corrosion, cette clé reste lourde, son anneau grossier et gravé représente... Voyons, ça c'était la clé qu'il fallait. Alors on a récupéré un fragment de stèle des ruines englouties. L'eau de la mer entamait le bord de ce fragment, mais les gravures demeurent lisibles. Et là, on a tablette de cire antique. Parmi les inscriptions difficilement lisibles, une traduction partielle évoque un conseil des aînés des morts étranges. S'agirait-il d'un hommage dont tu procèdes à un rite ici? Intéressant. Bon, bah, on a appris un truc au moins. Bon, par contre, je sais plus où c'était là. Le coffre. Hein. Le coffre qu'on pouvait pas ouvrir là. Ah oui, j'avais dit qu'on pouvait aller là-bas. C'est tout spartiate là-bas. Pourquoi pas? C'était ou vers une île ou vers un bord de plage. C'était pas en pleine mer en tout cas, le coffre qu'on pouvait pas ouvrir là. Ça, je me rappelle de ça au moins. Ouais, je fais pas prendre des dégâts. Ça, je me rappelle de ça au moins. C'était pas... Et c'était un endroit, du coup, qu'on a fini. Qu'on a fini. Genre là, on n'a pas fini, qui avait submergé. Mais c'était un endroit, genre comme ça, par exemple. Qui était fini, mais on avait un coffre qu'on pouvait pas ouvrir. Ah, tain, ça me fait chier, ça. C'est pas grave. Elle aurait pas pu me dire... Ah, c'est là-bas. Le coffre est fermé? Non? C'était trop compliqué de me mettre un... De me mettre un truc? Au lieu de faire genre comme si le jeu buguait ou alors qu'il y avait un problème? Non, enfin... Là, des fois, hein. Je sais pas à quoi ils pensent, les devs. Après, s'il faut, c'est en... Après, c'est en aide. Et je trouve ça très con de le mettre en aide. Parce que nous, on n'affiche plus les aides, donc peut-être que les aides apparaissent et disent « Ah, regardez, c'est un coffre fermé, il faut une clé. » C'est fort possible aussi, hein. Mais bon, autant faire parler Cassandra, comme ça, au moins, c'est dans le jeu, quoi. Qu'elles disent bah tiens, il nous faut un coffre. Ils aiment pas les Athéniens ici. Le lieu sera bien défendu. Je suis pas très étonné en fait. Ce qu'on va faire, c'est ça. Alors, le fort militaire de Gla. Alors, Xénophanès. Toi, t'as un joli nom. Xénophanès. Oh. Il y a plein de monde. Ça va nous prendre le reste de l'épisode, quoi. Bien. On est d'accord, le coup de pied spartiate ne tue pas. Je revérifie.
La cible n'est pas tuée et peut être ensuite recrutée. Ouais. Bon, après, si on le balance... Hein? Quoi? Neuf, apparemment. Un ours. Bien. Est-ce qu'il va dormir lui ou pas? Est-ce que lui va dormir ou pas? C'est la nuit. C'est la nuit. Ça fait plus de dégâts. Ah, bon chier. Ah, est-ce qu'ils ont... Oui, ils ont une... Et attends. On est sur une île. Les renforts, ils viennent d'où? On m'explique? On m'explique d'où viennent les renforts? Ah, je crois que j'ai balancé juste le mec devant la porte, en fait, d'un porte d'entrée. Un peu con, ça. On a notre mec à recruter. Notre mec à recruter. Quelle originalité, il a un coup de pied spartiate. Nickel. J'ai besoin de bras. Nickel.
Putain. Je vais tuer tout le monde. Faudrait la torche. On va faire la torche. Non. Descends, merci. Putain de merde. Gameplay. Ça m'a quand même fait des dégâts alors que j'étais derrière lui, c'est ça? Bon, bah ça va, ça passe bien, on les enchaîne les uns après les autres. Bon, c'est pas vraiment le fort méga bien gardé non plus. Hein. Attends, celui-là de l'intérieur, il a vu dessus ou pas? Non, je crois pas. Ah si. D'accord. Nickel, nickel. C'est plus grand monde. Ah, on s'est fait genre voir en tuant tout le monde, c'est pas grave. Genre tout le monde est mort en fait, ceux qui sont supposés nous avoir vus, mais on a une prime sur la tête quand même.
Discrétion et efficacité. Et accessibilité, pardon. Ah, il balance les corps par... par-dessus bord. On n'est pas sur un bateau. Ah ouais, ils ont découvert plein de corps, c'est pas grave. Oui, c'est vrai qu'au bout d'un moment, en plein milieu, on a fait quand même un peu n'importe quoi. Comment on rentre là-dedans? Ah, on peut combattre, honnêtement. Ah, c'est là. Ah non. J'étais sur le mauvais truc, j'ai fait un coup de pied au lieu de... Oh la vache, les dégâts. Les dégâts. Ah, on peut repasser par là. C'est quoi, c'est sous l'eau? Ah, c'est une sorte de grotte. Je crois qu'il allait jeter des cadavres. D'accord. Il est pas débile lui de me dire de quitter cet endroit. Tout à l'heure je suis ces mecs quoi. Il avait pas compris que c'était en... de se faire attaquer. Ouais, ouais, rester à l'affût, ouais, comme lui. Ouais. Il est vachement à l'affût, lui. Tu t'es pris un putain de critique, toi. Vache. Toute ta vie, elle a fait biou. Ah, sauce spartiate, cool. Bah ouais, au final, on a besoin encore des sauces spartiates. Et ça, c'est cool de pouvoir bouger rapidement, en fait. De pouvoir bouger rapidement, comme ça. Merde. D'accord, je sais pas où elle a tapé, mais...
Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Tu fais du slow walk, tu... Genre, c'est pour me faire peur, c'est ça? Oh, la vache. Ça marche. Vas-y, ramène-toi. Non, non, non! Bouffe-moi ça, putain! Ah, la vache! Eh oui, la touche qui fait tout, comme j'ai dit, hein, comme je le répète tout le temps. La touche qui fait tout. Genre, je voulais juste récupérer ce qu'il y avait sur le cadavre. Ça m'a aussi... Bon, mais c'est bon, on a fini. Eh, 23 000 expériences, hein, quand même. 23K. 22.9. Ça m'a bloqué sur le fait de déverrouiller le... la cage, là. Et j'ai failli me prendre un coup de patte. Qui peut me coûter ma vie, c'est trop bien. Ah, c'est... la touche qui fait tout. Ok, maintenant... Parler au débardeur. Non, 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 j'ai pas envie. On va faire comme ça. Ligne droite, tac, 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 tac. Et il faut aller tuer... Dea Nera. Là, on a fait un peu une petite aparté, là. Je voudrais bien continuer sur notre aventure personnelle. Très bien, let's go. Let's go. Mon bateau. C'est bien qu'on ne doive pas gérer le vent aussi, parce que ça serait quand même vraiment bien relou. Hein. Même en pleine mer avec le grand bateau, là ça serait vraiment une catastrophe. C'est quoi, c'est un fort abandonné ça? Une tour abandonnée? Les Spartiates. Qui parle? Ah, c'est encore un fort. Quoi ça? Oh, il y a des gens intéressants. Oh, Iphitos. C'est sympa ici. Et vous restez caché. Gameplay, hein. Dis bonjour à... Non, 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 non. Ça l'a déstabilisé, il est tombé cet abruti. Quelle merde. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des tablettes anciennes. Pas longtemps.
Mais bon, ça arrive, hein. Le mec il est tombé, c'est pas de notre... Enfin si, c'est de notre faute, mais... Indirectement. Nous on voulait le recruter, on l'a... On essaie de l'incapaciter, le mec ça l'a repoussé, il est tombé, déséquilibré, il est tombé. Enfin voilà, c'est des trucs qui arrivent. Pas grave, on recharge pas. C'est pas important. Mais sinon c'est pas drôle de... Bonjour. Je sais pas si c'est... Non, ça a l'air d'être tranquille ici. Oh, tu vas où toi? Tu vas où? Ils sont après nous ou pas? Ils sont peut-être après nous. En feu ou pas? Non. Wow, c'est quoi c'est? C'est pas mal pour un... C'est un guerrier avant tout. Merde, qui c'est qui vient me casser les couilles? Ça me fait chier. Qu'est-ce que tu fais toi? Un peu à rien quand même le coup de pied spartiate. Il sert à rien ce piaf là. Tu mérites.
était encore pire que ça. Nickel. Nickel, nickel. Alors, on fait voir un peu. Bon bah du coup, elle est venue à nous. C'était un peu étrange, elle est venue à nous. Donc, c'était les héros du culte. Mercenaire, on s'en fout. Navire, on a récupéré lui. Je vais voir l'inventaire. On a eu les parties des Amazones. Tous les dégâts guerriers. Dégâts infligés rétablis en tant que santé. 100%. C'est pas mal. C'est pas mal. Enfin, c'est pas mal quand on aura le 7, hein, comme d'habitude. On doit avoir au moins deux parties, je crois, d'Amazon. Ah, preuve d'édite critique, on garde ça. Ouais, on peut passer au 40. Pour les armes. Qu'est-ce qu'on fait? On passe à l'épée, chasseur assassin. Non, mais non, il nous faudrait quand même un truc un peu mieux. Là, on a 8 morceaux, très bien. 2 sauts. Je crois qu'il en faut 5 des sauts, mais c'est... ça court pas les rues, quoi. Ça court pas du tout les rues. Alors, du coup, vu qu'on a fait ça, on peut faire ligne droite jusqu'au port. Ok. Genre, il y en a un de quai là ou pas? Non, après le prochain quai, c'est là-bas. Donc on peut faire ça, on peut faire ligne droite jusqu'au quai là, et après, tac, l'île, et après on fait notre aventure de fou là. Ah, on est juste là, on va se balader un peu. Allez. Oh, pardon. C'est vraiment pas voulu. Ça c'est voulu par contre. Salut les Spartiates. Bonjour. Médecin, tu as besoin des services d'une mercenaire? J'ai encore perdu 3 patients ce matin. C'est quoi? Une famille, pris entre des soldats athéniens et Spartiates. Il est temps que cette guerre prenne fin. C'est pour bientôt, c'est vrai en plus. La paix est pour bientôt. Enfin, je l'espère. Cela ne cessera que si quelqu'un fait quelque chose. Écoute, il doit bien y avoir un moyen de les éloigner d'ici. Vole leurs vivres, leurs armes ou leurs bateaux, après tout. Je te paierai. Très bien, donc il faut que je coule la flotte athénienne. Il ne devra plus y avoir un navire à l'horizon quand tu auras fini. D'accord, ce sera fait. Je te remercie, Mystios. Puissent les dieux te guider. Ah, toi aussi. C'est sûrement juste tuer des bateaux, quoi. Coffre. Ça, j'ai pas vu le four. Attends, j'ai un four à détruire. Pousse-toi. Ah, merci. On est sur une autre branche parce que c'est pas quand même le même endroit où on a fait passer Sparte en premier. Hein. On est d'accord. Quoique si, en fait. Si, si, c'était là, nous, non? C'était là, je crois, notre combat. C'est marrant. Genre, on les a tellement défoncés tellement vite que... Ah, par contre, ça, c'est pas mal. Ça, c'est intéressant. Ils ont déjà plus de barres, quoi. C'est ouf. Bon, ça, c'est bien, le fait de... Qu'est-ce qui se passe?
Oh là là, faites chier. Ah, il a dû sûrement se faire défoncer par l'explosion. Et moi aussi, je peux faire ça, regarde. T'as vu? Moi aussi, je peux le faire. Ah oui, ah je comprends ce qui s'est passé, d'accord, oui. Oui, oui, ça c'est ma faute, ça. Lui nous cherche, lui. Non mais le cheval, mais laisse-moi, tu vas me faire voir, tu vas me faire repérer. C'est pas con, quoi. Bienvenue. Avec la prime sur ta tête, je vais manger pendant un an. Ah ouais? Oh putain, il y a un deuxième, il y a un follow-up quoi, c'est ouf. Quand il tape par terre. J'ai fait de la merde, parce que j'étais en train de changer de putain de flèche. Il y a un follow-up avec son truc quand t'es proche de lui. C'est bien, Phobos. Très bien. Tu fais l'équilibriste. Allez. Ils sont gentils, les loups? D'accord, ok, super. Pas manqué celle-là. Oh, on a sauvé un mec. On est là. Oh, par Zeus. Sans toi, je crois que j'y aurais laissé ma vie. Heureusement que j'étais là. Ravi de faire ta connaissance. Je m'appelle Epi. Enfin, Epizelos. Mais mes amis m'appellent Epi. Même si, en vérité, je n'ai pas vraiment d'amis. Moi, c'est Cassandra. Enchanté. Ma foi, tu as l'air de quelqu'un qui parcourt le monde. C'est pas faux. Et toi, tu as l'air de quelqu'un qui passe toute sa vie à lire. J'ai l'air misérable, je sais. Mais quand la découverte frappe à la porte, il faut bien lui répondre. Je possède une tablette mycénienne indiquant l'emplacement d'un site funéraire sacré. Ah. Je l'appelle la Grotte des Oracles. Tant mieux pour toi. Les Mycéniens étaient renommés pour leurs tombeaux raffinés, regorgeant d'objets précieux. Précieux, précieux ? Des bijoux anciens, des dagues et des épées de cérémonie. Donc oui, très précieux. Si tu m'accompagnes, je te montrerai. Bien sûr. Comment décliner une promesse de fortune? Le destin t'a placé sur mon chemin et nous allons faire route ensemble. Le destin a parfois le sens de l'humour, tu sais. Oui, mais à moi, il m'a souri en arrangeant notre... Qu'est-ce qu'elle a, ma caméra? Elle est bloquée sur lui, en fait. Alors, tu étudies le contenu des rouleaux? Non. Enfin, oui et non. Je creuse aussi la terre. C'est le travail des paysans. Pour découvrir notre histoire. Il y a des mecs qui arrivent. Parfois, cette fois-ci, je l'espère, cela révèle des merveilles enfouies. Bon, désolé de te dire ça, mais les pots en terre cuite, ça n'a rien de merveilleux. Moi, j'y consacre ma vie. Cela va bien au-delà des... Genre, tous mes mouvements sont ralentis, vraiment, la caméra aussi. Ça en dit long sur nous. Et savoir d'où nous venons indique où nous allons. Ah... Les érudits et leurs énigmes. Certains se moquent complètement du passé. Il
veulent seulement voler et gagner quelques drachmes. Tu te rends compte? Oui, c'est incroyable. Mais ouais. Mes semblables ne sont que des chasseurs de trésors et des marchands d'art. Eh bien, tu as parlé de bijoux précieux. Les ruines et reliques d'autrefois sont très difficiles à trouver. Seules mes recherches et mes déductions m'ont permis de trouver celle-ci. Dis-moi plus sur elle. Les Mycéniens avaient des rites précis. Certains récits parlent d'objets créés par les dieux. Je suis bloqué. Oui, les dieux aiment parfois fabriquer des choses. Pense-y, Mystios. Tu n'aimerais pas que les dieux te viennent en aide quand tu te bats? Un bon guerrier n'a pas besoin de l'aide des dieux, ni de qui que ce soit. C'est vrai, oui. Mais pense à ce que nous pourrions trouver. Tu crois qu'on pourrait trouver un objet recelant un pouvoir? Tu vois? Ça t'intéresse, finalement. Oui, oui, ça m'intéresse. L'oracle de Trophonios. Je me demande si le culte sévite aussi ici. Ah, peut-être. On va où, mec? Qu'est-ce que c'est? Fais attention. Il semble attiré par ce lieu. Je ne m'attendais pas à cela. Est-ce que c'est lié aux... aux gens dont tu m'as parlé? Les Mycéniens? Je ne vois pas comment ils pourraient le savoir. À mon avis, c'est plutôt lié à Trophonios. Je vais les observer et tâcher d'en apprendre plus. Bien. Je vais aller voir à l'intérieur. Attends! Prends ce fragment de stèle. Vois s'il y a des inscriptions similaires. Ça marche. Les Mycéniens, c'est pas le soi-disant peuple qui a qui aurait tout fait là, genre le temple avec la lance et tout ça. C'est pas de ça dont il parlait. Alors fais voir un peu ce qu'on a récupéré. Alors, la stèle gravée avec soin occupait une place de choix dans le tombeau. On ignore comment ces fragments ont pu être dispersés, mais Epi entend bien la restaurer et donner ainsi vie au passé. Nous, on a récupéré un truc comme ça, la fragment de stèle en ruine engloutie. Alors, je sais pas si c'est la même chose. Enfin, on dirait que ça provient de la même chose. Peut-être qu'on en aura besoin. Peut-être qu'il y a une... Un site funéraire. On enterre les mules dans des endroits plus jolis. Peut-être qu'il y aura des follow-up par rapport à cette quête. Parce que ça, c'est une quête d'histoire, par contre. Enfin, une quête secondaire histoire. À droite ou gauche? On va aller à droite. J'ai l'impression qu'on pourrait placer le fragment de stèle. Ok. Ah, c'est magique. Ah, c'est ce qu'on fait, la lance apparemment. Enfin, de ce qui... Inattendu. Magique. Quelque chose bloque. C'est quand qu'on combat des squelettes et tout ça? Je sais pas si ça existe. Ça serait classe. C'est con que... En fait, il faut taper pour brûler l'étoile d'araignée. Mais ce serait vachement bien que... Qu'on avance, qu'elle brûle parce qu'on a une torche à la main. Enfin bref. Petit détail, hein. Petit détail qui serait vraiment cool. Attends. S'il y a quelque chose derrière la paroi, est-ce qu'on peut y accéder de ce côté? Non. Oh non, on vient de là. Ça va être encore un labyrinthe, ce truc. C'est plus raffiné que je ne le pensais. Ah!
Voyons ce qu'il contient. Waouh, c'est de la merde. Ouais, c'est bon. Cette statue représente un guerrier. Tu peux mettre le feu à ça ? Là, les inscriptions. Ça rappelle la pierre d'Épi. Épi va être excité en voyant tout ça. Je voudrais bien que tu mettes la torche dessus et pas à côté. Hein. Merci. Ok, on a fini apparemment. Enfin, pour le moment en tout cas. Y'avait pas autre chose? Juste refaire un petit tour vite fait. Non, là non. Voilà. Ah, c'est aussi de la merde quand même. Ah! Yay. Faut qu'on aille de l'autre côté aussi. Il y avait deux endroits. Il y avait dans la grotte, je parle. Il y avait un chemin qui menait à cette porte et il y avait un autre chemin. Ah, par contre, il n'y avait pas de stèle. Maintenant que j'y pense. Oh! Mais... Allez, putain, merci. Quoi ce bruit? Oh merde. Allez, go. Oh là là. Proche de... on était proche de, du mur quand même. J'ai un tout petit peu peur. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un arbre sous terre. Ah bah, elle est pas mal celle-là. Pour ceux qui sont pas étonnés, je rappelle qu'un arbre, il a besoin de lumière pour les feuilles. Donc c'est un peu étrange. Ah, c'est méga grand. C'est extrêmement grand. On aurait dû peut-être revenir à Épi. Oh là. Ok, il y a une ouverture. Mais du coup, ça nous mène où? Ah, il pleut. On a un camp ici. D'accord.
camp d'entraînement. Cet endroit sera en alerte. Ça marche. Vous savez quoi, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Oui, ça sera notre, ouais, notre fin d'épisode. On va faire le camp la prochaine fois parce qu'on est juste devant et après on retournera voir Epi. On retournera voir Epi, ça va être cool. Voilà, voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, portez-vous bien. On a pas mal avancé. On avance dans notre petite aventure en fait personnelle. Hein. Donc on a déjà tué un mec du... Comment ça s'appelle ? Du Cosmos qui était normalement là, mais bon, elle est venue vers nous. Donc on est en train de faire d'une quête importante, donc on va continuer ça. Après on va peut-être repasser à l'île oubliée avec ce symbole là. Et après on va, je pense pas qu'on va finir Beauty parce que c'est quand même vachement grand, j'ai pas envie de passer trop de temps là dessus on va aller au port qui est... Ah bah tiens, il doit y avoir un port là. Il y a un quai là. Il doit avoir... Oui, il y a un quai là aussi. Oui, oui, voilà, il est là le quai. Ok, on fera ce quai là. Puis après, on partira en bateau. On retournera sur l'île. Puis après, on va aller sur... Alors, je pense pas qu'on va faire Akaya directement. On va peut-être d'abord faire Elis parce qu'il y a un mec qu'on veut tuer. En théorie, qui devait être là. Bon, peut-être qu'il a bougé maintenant. Ah, il a bougé. Faudra voir dans la liste des mercenaires. On peut peut-être aller à Akaya du coup. Pour faire une autre personne du cosmos. Par contre, on connaît rien de la personne. On connaît rien du tout de la personne. Donc, va falloir faire pas mal de choses pour trouver où elle se trouve. En tout cas, ça sera tout. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.